L'implication, la malnutrition en Afrique. Vous avez la parole, M. Amadou Tidiane. Si on peut faire de la lumière là, quand même, c'est bon. Merci, Monsieur le Président. Bonsoir tout le monde. Je voudrais à mon tour aussi souhaiter un bon anniversaire à M. Mbo, donc il constitue une fierté pour le Sénégal et pour toute l'Afrique, et dire tout le plaisir que j'ai d'être ici. Lorsqu'on m'a demandé de faire cette communication, je me suis dit, moi, en tant que biologiste, qu'est-ce que je vais faire, qu'est-ce que je vais bien vouloir dire avec les historiens, les gens de lettres. Puis je me suis dit, mais mes premiers travaux que j'avais effectués en tant que jeune chercheur avec d'autres disciplines, des anthropologues, des sociologues, des économistes, c'était un travail qui avait été fait avec l'UNESCO dans le cadre de la pluridisciplinarité et de l'interdisciplinarité. Je me suis dit, bon, on va parler de l'Afrique qui doit valoriser ses aliments locaux, parce que dans le domaine de l'alimentation et de la nutrition, qui est également un fait social, il y a beaucoup de ruptures que je pense qu'il faudrait opérer. Mais dans une perspective optimiste. Et je voudrais féliciter le comité d'organisation et le comité scientifique pour la qualité du travail et pour le programme qui a été fait. Parler de la pauvreté, de la malnutrition, il y a de grands défis que nous devons relever. Pour aller vite, je vais faire un premier constat sur la situation alimentaire au niveau de l'Afrique au sud du Sahara, d'Afrique subsaharienne. Si on regarde les chiffres du SILS, au cours de ces 5 dernières années, on voit bien qu'il y a une petite amélioration de la production céréalière qui est en train de s'opérer, ce qui est positif. Mais il ne faut pas s'arrêter à ça. Il faut regarder les choses, c'est ce que disent les historiens, dans la durée, mais nous prendrons une petite durée, nous, 20 ans, 25 ans, pour voir que lorsqu'on regarde la production alimentaire en Afrique, de 1970 à 2004, par exemple, on voit, lorsqu'on regarde toutes les régions, on voit qu'en Afrique subsaharienne, c'est la ligne rouge, de 1970 à 2004, on voit que la production alimentaire est stationnaire au niveau de la zone subsaharienne. Tandis que dans tous les autres pays, on a vu qu'il y a un décollage, donc de la production qui leur a permis de nourrir leur population. Premier constat. Deuxième constat, lorsqu'on regarde les quantités d'énergie apportées par les aliments au niveau pour les populations, on voit qu'au niveau de l'Afrique subsaharienne, là où il y a la flèche rouge, on tourne environ autour de 2300 kilocalories, alors qu'il faut en faudrait environ 2400 pour nourrir, donner le minimum d'énergie pour qu'une personne puisse vivre et avoir des activités socialement nécessaires. Alors que dans tous les autres pays, on a vu que l'ingérée donc énergétique a eu des problèmes. Ce qu'on constate aussi, c'est que les politiques agricoles qui ont été mises en place, là aussi des bases sur la sécurité alimentaire, dit que ce n'est pas la peine de produire ce qui coûte moins cher sur le marché, il faut exporter votre production agricole et importer ce qu'il y a de moins cher. Mais on se rend compte que plus on exporte nos produits, plus la facture de nos importations alimentaires est lourde. Il y a donc un écart. Ça veut dire qu'il y a aussi un problème, il est temps de s'arrêter et de voir que ça ne va pas du tout. Autre constat, c'est qu'on a mis, concernant le développement du secteur agro-industriel, on a mis l'accent sur les cultures de rente. Exemple typique, c'est l'arachide. D'ailleurs, qui pose problème parce qu'on a produit de l'arachide aujourd'hui, les paysans l'ont, ils l'ont sur les bras, on ne peut même pas transformer, donc l'acheter. Échec des politiques agro-industrielles qui ont mis l'accent sur les cultures de rente. Les conséquences, c'est que les produits locaux, on en a parlé tout à l'heure, les produits alimentaires de notre culture ne sont pas été valorisés. On a augmenté nos importations de riz, de blé. Nos habitudes alimentaires ont été simplifiées. L'exemple le plus typique que je prends, c'est les yassa, c'est du riz avec de l'huile et des oignons, c'est tout.
Et ensuite, on a un modèle de consommation extraverti, particulièrement pour le Sénégal. Petit déjeuner du pain, à midi du riz, le soir également donc du riz, autant d'aliments que nous ne produisons pas et qui sont importés. On importait, on pouvait importer, mais depuis la crise alimentaire de 2008, on se retrouve dans un nouveau contexte. Il y a une crise financière, une crise alimentaire, le réchauffement climatique, et puis il faut s'adapter à la rareté maintenant. Ce n'est pas parce que tu veux importer que tu vas importer. Ces pauvres, si on regarde également, comme on l'a vu tout à l'heure sur la production et tout, le nombre de pauvres, je ne parle pas de pauvres, maintenant on parle plus de pauvres, on parle des plus pauvres, ceux qui gagnent un $0.5 par jour. On dit qu'il y a une réduction de la pauvreté, mais lorsqu'on voit les plus pauvres, on voit que l'écart se creuse. En Afrique, au sud du Sahara, les plus pauvres augmentent, alors que dans les autres pays, donc continents, les plus pauvres, le nombre de plus pauvres diminue. Et ces pauvres, lorsqu'ils sont confrontés à ces crises, à des chocs, ils vont réduire leur alimentation. En quantité, on mange moins, ou bien on ne peut pas mettre assez de riz, on va rajouter beaucoup d'eau, tchèp, poutpa, tchèp, toy, etc. En qualité, moins de lait, moins de viande, de fruits et de légumes. On va faire des repas photocopies, on prend le repas à midi, on le photocopie le soir. S'il n'y a pas assez d'encre, vous voyez que la photocopie elle est pâle. Repas aller-retour, même chose, repas d'emdic, comme on dit, même chose. Donc, une alimentation qui n'est pas diversifiée. Et la malnutrition, c'est pas la seule conséquence, mais c'est une conséquence directe d'une alimentation qui est monotone, insuffisante, déséquilibrée en nutriments et en micronutriments. En 2006, avant la crise alimentaire, on estimait qu'il y avait environ 35 millions de personnes en Afrique de l'Ouest qui étaient malnutries, c'est-à-dire les besoins alimentaires minimums pour fonctionner n'étaient pas couverts. Et lorsqu'on a fait les réunions concernant les objectifs donc, du millénaire pour le développement, on s'est rendu compte que, en tout cas, si les mesures ne sont pas prises d'ici 2025, le nombre d'enfants qui sont malnutris va encore augmenter. Et là, vous avez un cas de malnutrition aiguë sévère, pour ne pas croire que ça se trouve ailleurs. Je n'ai pas pu venir ce matin à l'ouverture, je m'en excuse, parce que justement, nous avions un centre de formation pour traiter donc, ces cas qui existent chez nous, à Dakar, à Rebus et Ouattara. À côté de ces carences, vous avez donc des carences en fer. Carence en iode, carence en vitamine A et carence en zinc également qui vont affecter les enfants. Et ces malnutritions vont avoir un développement, des conséquences terribles sur le développement économique et social, vont affecter les performances intellectuelles, physiques et professionnelles des gens, seront moins productifs, les enfants n'auront pas les rendements qu'il faut au niveau de l'école, ça va être source d'échecs également, ce qui constitue une perte considérable. Ça c'est la malnutrition, mais il n'y a pas ça comme problème. L'Afrique croule aussi sur ce qu'on appelle le double fardeau de la malnutrition. D'une part, la malnutrition par carence dont j'ai parlé tout à l'heure, et de notre côté, il y a maintenant de nouvelles pathologies, c'est la malnutrition par excès, c'est-à-dire obésité et autres. Les fameux syndromes, signes de bien-être, comme on dit, Ambir, Amtad et autres, donc qui, justement, vont constituer des pathologies futures au niveau de notre pays. Et les facteurs de risque, diabète, hypertension, hypercholestérolémie, maladie cardiovasculaire également augmentent à côté de ces malnutritions. Et les projections sont alarmantes. En 2020, on prévoit 804 000 cas de cancer liés à l'alimentation avec 626 000 décès. Pour les maladies cardiovasculaires, justement, plus de 20 millions de personnes seront affectées et 1000 personnes risquent de mourir par an. Pour le diabète, 104 millions en 2007 et seront environ 19 millions donc en 2025. Ce qui veut dire d'un côté malnutrition, de l'autre côté il y a des maladies chroniques liées à l'alimentation. Cette situation est paradoxale parce que tout ça aussi est lié à l'alimentation, parce que l'Afrique a une riche biodiversité de produits alimentaires qui ne demandent qu'à être valorisés. Nous avons toute une multitude de céréales, on en a parlé tout à l'heure, de mil, de fognons et autres, de têtes qui existent, qui ne sont pas valorisées. Il y a également des racines et des tubercules qui ne sont pas valorisées. Vous avez également beaucoup de légumineuses, toute une gamme de légumineuses qui existent, des niébés ou toute une variété qui existe, qui ne sont pas valorisées. Les feuilles, énormément de feuilles qui existent, qui entrent dans la composition des aliments, qui ne sont pas valorisées. Là, un marché de feuilles au Niger. Beaucoup de plantes qui sont également des sources d'arômes et d'aromates et d'autres condiments,
Donc pour fabriquer du sumbala, niété tout et autres qui ne sont pas valorisés,